Si tu veux connaître une personne, vis avec elle. Et encore, je me demande si ça vaut bien le coup pour certains individus. Cet alien est apparu sur Terre le 8 août 2011, diffusant sa première vidéo sur du Call of Duty le 11 du même mois. Regardons ensemble des extraits de ses premières vidéos. Écoutons ensemble ses messages poignants. Vous fiez pas la casquette, vous fiez pas la tenue. Fiez-vous toujours à l'intérieur d'une personne. C'est pas parce que quelqu'un porte une casquette que c'est forcément une racaille. C'est pas parce que quelqu'un porte une casquette qu'il va jamais aller loin dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, imaginez-vous un peu de votre côté. C'est par exemple, moi je devais regarder une vidéo. C'est un mec du genre, tu sais, un peu métal ou... Qu'à contraire, un mec qui est gros, qui a plein de boutons dans la gueule. Et le premier jugement que j'aurais envers lui, c'est « Bah tiens, ce mec-là, il ira pas loin dans la vie. Tiens, encore un mec qui va pas se trouver de meuf dans la vie. Tiens, un mec qui trouvera pas de travail dans la vie. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc rien ne sert de porter un jugement parce qu'un mec porte une casquette, etc., etc. Ça sert à rien. Bref, c'était une petite parenthèse, juste pour préciser, etc. Début prometteur et un très gros potentiel. Mais quel est donc le secret de The Kairi 78 qui lui a valu un succès aussi soudain? Et ce défi-là, si vous le battez, il y aura quelque chose en récompense, et la personne qui aura battu mon record, enfin le mec qui sera pris tirage au sort, il aura le choix. Soit de prendre un jeu de son choix sur 360, ou soit le mec qui est sur PS3, qui prend un jeu de son choix sur PS3, ou bien accessoire PS3, manette PS3, manette Xbox 360, micro 360, enfin bref, ce que vous voulez. Ah, des jeux concours avec prix à la clé, dès le début. Putain, mais c'est ce que je dois faire en fait! Si toi aussi tu veux gagner ce lot de suppositoires, envoie-moi vite un snap où tu sautes d'un immeuble de 10 étages! Attention, merci d'être accompagné d'un adulte majeur depuis 18 ans. The Kairi 78 est un homme doté d'un humour des plus. Humoristiques! Nous pouvons aussi compter sur lui pour faire réviser les multiplications à nos enfants. Ouais 14 litres, ça va bien. 4 fois 2, 8 ? 8 ? Alors, 2, 4, 6, 8, 12. Quoi, attends ? 4 litres ? 6 litres ? 8 litres ? 10, 12, 14, 16. Ah, oh putain, non, 16 litres, attendez, 16. 16, 18, 20 litres. 24 litres de coca. Il y aura 24 litres de coca là, putain, ça va. Merci à tous. Notez qu'il est parfois préférable de censurer certains passages. Au nom de la liberté d'expression, on va te critiquer. Ouais, je sais, au nom du Fils et du Saint-Esprit, vas-y, va niquer ta race, s'il te plaît. Au nom du Fils et du Saint-Esprit, vas-y, va niquer ta race, s'il te plaît. C'est le 17 novembre 2015 que cet homme aux multiples talents nous proposa sa première vidéo sur un de ses passe-temps favoris, la malbouffe. Mais une telle quantité de merde doit bien avoir des effets néfastes sur la santé. Ah, un instant, nous avons notre spécialiste en direct. Alors oui, effectivement, ça le rend très très con, hein. Justement, on a retrouvé des images d'archives. Je vous ai demandé, 1000 RT sur Twitter. Bim. Donc ça a été dépassé, j'aurais dû en demander 2000, même plus je crois. Oh mais Kairi, pourquoi? Tu dois bien avoir une bonne raison pour péter ce truc quand même. C'est la liberté. Là, vous aimez bien ça? Vous aimez bien employer ce mot-là quand ça vous arrange? Vous aimez bien employer ce mot-là pour critiquer un youtubeur? Bon, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de la pratique, je vais détruire le drone. Au nom de la liberté d'expression, à ce que je sache, nous sommes en France, nous sommes libres de l'expression, libres de la pensée, libres de l'acte aussi. Tout dépend de l'acte. Et l'acte que je vais faire va tuer personne, à part le drone, bien sûr. Ah ok, très bonne argumentation, j'ai rien à dire. Mais sinon, Moreille, as-tu un dernier mot pour ta communauté? Ce que vous avez vu hier, c'est rien. Et pour le mois d'août, j'en reviens, le drone, c'est rien par rapport à ce que vous allez voir mi-août. Mi-août, ça va être du sale. Mi-août,
Il y a des gens qui vont se tirer les cheveux. Pour faire une confidence, ça m'a fait bander aussi. Ça m'a fait vraiment bander pour voir cette vision. Leur haine. Les gens, ils ont eu le seum. Et j'en ai rigolé. Et ça m'a bien fait bander, croyez-moi. Il y aurait tellement de choses à dire sur toi, comme les titres putaclic, les insultes et les blasphèmes. Que ça plaise ou pas, mais tu t'en fous, c'est pour ton bénéfice à toi. C'est pour ton pain à toi. Les gens qui te soutiennent, ouais, mais t'es mon ré, mais tu me déçois. Ils feront pas votre vie plus tard. Ça sera vous et vous. Quand vous serez en chien, ça sera vous et vous. Comme tu viens de le dire, tu ne fais pas ça pour la passion, ni pour les personnes qui te suivent. Tu fais ça pour toi et pour l'argent que cela te procure. Mangez des burgers, étalez-vous de la rissa dans la tronche, on s'en fout. Ça vous rapporte Mazel Tov. Tant mieux. Beaucoup de personnes aimeraient manger des burgers toute la journée en s'amusant à se tartiner de la rissa sur la gueule et se faire de l'oseille là-dessus. Mais les gens comme moi s'être fatigués, ils se rendent compte de la supercherie. Et croyez-moi qu'à l'avenir, je vais vraiment continuer. Que vous le vouliez ou pas. Que vous interposez devant mon chemin, je vous défonce et je continuerai mon chemin comme je l'ai continué depuis 2011. Ce qui est pitoyable dans tout ça, c'est que tu vas continuer et tu feras pire dans l'avenir, juste pour attirer le plus de vues sur toi. Mais sache que ça ne va pas durer éternellement et je te conseille vivement de trouver autre chose, un autre point d'accroche que YouTube, car tu vas tomber et la chute va être haute, très haute. C'est honteux, des gens comme toi arrivent à être sur le devant de la scène alors que des autres travaillent jour et nuit, sacrifient leur vie de famille, parfois même leur vie sentimentale, et restent toujours dans l'ombre. J'ai regardé de nombreuses vidéos sur toi avant de faire celle-ci, et je pense t'avoir cerné. T'as pas de respect pour toi, pas d'amour propre. Tout ce que je te souhaite, c'est que tu prennes du recul et te corriger au plus vite ton chemin. Il est encore temps. Mais maintenant, si vous voulez vous fier à vos potes, etc., etc., qui sont toujours au point A, qui gagnent 5 balles par mois ou 10 balles par mois, c'est votre souci. Et vos potes là qui sont de soi-disant leurs études, leur père, leur mère et leur grand-mère et leur grand-père avec leur retraite, je touche autant qu'eux. Votre famille réunie à tous ces rageux, je touche autant que vous. Et tout ça juste en bouffant des burgers, ça me prend 10 minutes. Hein. Je vais pas te le cacher, je suis jaloux. Jaloux que tu aies tout ça entre les mains et que tu l'utilises pas à bon escient. Ça me rend triste.